En couple depuis plusieurs mois, Lola, ancienne candidate de Koh-Lanta, et Asiatomique, célèbre youtubeur, sont actuellement à la recherche d'un appartement. Mais leur recherche s'avère compliquée. Révélée au grand public dans Koh-Lanta, les quatre terres il y a 3 ans, Lola partage aujourd'hui ses aventures sur Instagram. Suivie par 168 000 abonnés, la jeune femme est désormais influenceuse et a la chance de pouvoir voyager aux quatre coins du monde. Une vie de rêve qu'elle mène aux côtés de son chéri, le youtubeur Asiatomique, suivi par plus de 2 millions de personnes sur la plateforme. En avril dernier, les deux tourtereaux ont révélé être en couple dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'officialisation de leur relation a suscité de très nombreuses réactions. Enfin, mais il ne fallait pas nous le cacher comme ça, a commenté Sinodi Pumerol. Les plus beaux, a réagi Alexandre de Koh-Lanta, la guerre des chefs. Il a de la chance Asiatomique, les plus magnifiques, vous êtes vraiment mignons ensemble, ont écrit plusieurs anonymes. Lola, Koh-Lanta, en couple avec le youtubeur Asiatomique depuis qu'ils ont pris la décision de vivre leur histoire d'amour au grand jour, Lola et Asiatomique, Bastien de Meusy de son vrai nom, sont inséparables. Ces derniers mois, les deux amoureux ont visité la Guadeloupe et la Turquie, avant de rouler sur une étape du Tour de France ensemble ou encore de passer une journée féerique dans un célèbre parc d'attractions. Visiblement faits l'un pour l'autre, les deux créateurs de contenu ont d'ailleurs décidé de franchir une nouvelle étape dans leur relation, à savoir s'installer ensemble. Mais la concrétisation de leur projet s'annonce compliquée. Dans sa story Instagram, l'ancienne aventurière a évoqué ses difficultés à louer un logement avec son compagnon. Lola, Koh-Lanta, et Asiatomique en difficulté pour trouver un appartement ce jeudi 20 juillet, Lola a annoncé qu'elle allait visiter un appartement avec son chéri Asiatomique. Mais cette visite ne s'est pas déroulée comme ils avaient pu l'espérer. Et pour cause, leur situation professionnelle n'est pas idéale. On a visité l'appartement, il est trop bien. Le problème, c'est que j'ai un statut auto-entrepreneur et que lui a sa société. Du coup, c'est assez compliqué. On n'a pas des dossiers ultra solides donc comment vous dire qu'on va galérer, a expliqué la jeune femme, qui ne désespère pas de trouver l'appartement de ses rêves avec son amoureux.